du métal. Ça pète. Flèche de feu. Yes! Ça marche. Oh! Yeah. Tu m'as trouvé, nom d'une feuille! Ah, merci. À la revoyure! Salut! Il y a rien en fait. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que nous allons? Là-bas. Non mais oh. Il y a quelque chose là-bas. C'est du bois, ça. Je peux pas le tirer. Ah, c'est peut-être sanctuaire de Tumisoke. Tumisoke, peut-être. Peut-être nouveau pouvoir, je sais pas, marcher sur l'eau. Ou des vêtements, j'en sais rien. On va voir. Pour résister à l'eau. Enfin, au froid plutôt. Et riche de solides colonnes de glace préservées de la fonte. Elles peuvent être utilisées comme plateforme ou comme obstacle. Viser une colonne de glace et utiliser à nouveau Cryonis pour la détruire. On peut manipuler la l'eau. Ah. Ah. Et on peut en faire plusieurs. Oh yes, ok d'accord, ça a poussé le, ça a levé le grillage. Ah c'est énorme. Tu fais quoi toi? Hey. Hop. Vis antique, rien ne semble pouvoir user cette vis conçue sur un matériau inconnu et récupérée d'une machine antique. C'est énorme ces pouvoirs.
Ah, ah oui, évidemment. L'inverse. L'inverse, l'inverse. Attends, attends, y a pas autre chose à récupérer. Ah ah. Non. Yes. Lance du voyageur et vous êtes plein. Vous ne pouvez pas prendre l'objet encore une fois. Non mais je veux la jeter. Ou alors on jette autre chose. Je peux jeter ça. Quoique la lance du voyageur en fait c'est pas extrêmement bien. S'il n'y a pas autre chose. Ah, quand on se repose, ça récupère tous les cœurs. Non, 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 je veux pas te parler. Attends, j'ai un coffre à récupérer. Tu as obtenu l'emblème du triomphe de tous les sanctuaires du plateau. Ho, ho, ho. Le moment est donc venu, Link. Il est temps que tu connaisses la vérité. Tu es mon père. Hey. Repère les quatre sanctuaires sur ta carte et représente-toi la croix qui les relie. Je t'attendrai au centre de cette croix. Tu pourrais pas m'expliquer maintenant ? Flèche. Ah non. Bon, qu'est-ce qu'il m'a dit de faire le vieux fou là? Relie. Au centre de la croix qui relie les quatre sanctuaires. On va faire ça. Sanctuaire, sanctuaire, sanctuaire. Ouais, mais en gros, c'est le temple du temps, quoi. Là, ça. Bah, sûrement.
Bon, on fait chemin inverse. Hein. On va faire du surf. Voilà. Pourquoi je fais ça? Téléporte-toi! Ah oui. Eh ben. C'est bien si on avance tout le temps, on n'est pas bloqué à rien. Alors on va un peu où on veut, on fait un peu ce qu'on veut. Pas de... Ah, c'est vraiment bien. Alors, le temple, il est là. On y va. On va voir ce qu'il va nous révéler. Ah, peut-être qu'il va nous donner l'épée. C'est quoi, la Master Sword? Voilà. Merci pour le follow. Bienvenue dans notre compagnie. Est-ce que c'est là? Temple du temps. Eh, hey, mieux le vieux. Non, c'est pas là. Pourquoi y a pas de rubis? Ah, c'est là-haut. Là. Donnez-moi des rubis. Ah. Prier. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes du triomphe, je vais t'offrir plus de puissance. Tu sembles déjà posséder 4 emblèmes du triomphe. Si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces emblèmes. Que souhaites-tu recevoir? Un cœur d'endurance? L'endurance. Yes. Je vais t'offrir ce que tu désires. Ah, c'est beau. On dirait les cristaux qu'on recevait dans Ocarina of Time. Réceptacle d'endurance, cet objet que vous avez obtenu après avoir triomphé d'épreuves augmente la limite maximum de votre jauge d'endurance. Ah, yes. Cool. Va et ramène la paix sur Hyrule. Ah, le vieux.
Oh mon dieu, tu vas me donner ton truc. Il me semble que la bénédiction de la déesse t'a rendu plus fort. Je suis là-haut. Dépêche-toi de venir me rejoindre. Pas vu un seul rubis, non. Vise les cœurs en premier. Oui, évidemment. C'est ce que je viens de faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Un aigle. Tuons-le. Comment tu veux que je monte? Ah là, peut-être. Là-bas. Ah, désolé, ça a l'air plus intéressant d'aller là-bas, on va voir. On va grimper après. Oh, yeah, piment. Ah, bah on est là du coup. Bon bah grimpons. Un peu trop tard. Aha. Salut Otaku, bienvenue. Ah mon dieu, qu'est-ce qu'on fout là? En plus il commence à faire nuit. On n'aurait pas pu discuter sur la terre ferme. Non, c'était pas... c'était trop compliqué de discuter sur la terre ferme comme des gens normaux. Oh mon dieu, ce mec quoi. La route qui part vers le nord. Eh ben, ça en fait beaucoup. Comme la guerre des mondes. Oui, c'est vrai. Avec les tripodes et tout ça. Là. Le truc avec les longues jambes. C'est le troisième joueur, bienvenue. Comme promis, tu peux prendre ma paravoile. Oh, cadeau du roi d'Hyrule, qui est un fantôme qui a manqué de protéger son peuple et qui ne sert strictement à rien. Et il nous a dit de sauver son peuple. Ils sont où? Ils sont tous morts. Permet de glisser dans les airs au gré de la brise. Appuie sur X. Ok, ça marche. Le plateau isolé. Terminé. Grâce à elle, tu vas pouvoir t'élancer depuis les falaises de ce plateau. Je n'ai désormais plus rien à t'apprendre, je le crains. Bah au revoir. Je compte sur toi, Link. Au revoir. Abattre Ganon. Arc de soldat, arc en bois dont la puissance d'attaque a été augmentée par le serveur pour servir au combat. Peut infliger de gros dégâts, mais attention à ne pas l'approcher du feu. Pourquoi attention à ne pas l'approcher du feu? Enquête d'Impa. D'Impa, c'est pas la fille d'Ocarina of Time qui s'occupait d'Epona. C'est pas elle. Bon, let's go. Si tu allumes l'herbe, ça fait un vent vertical. Ah, ça fait de la chaleur, donc du coup ça augmente. Impa, c'est la nourriture de Zelda dans le Ocarina. C'est la nourrice.
La nourriture. La nourrice. La nourrice de Zelda. Ça me dit rien du tout. On va où? Oh là 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 là, c'est loin. C'est loin. Wouhou! Ah, ça consomme de l'endurance. Et on peut... Yeah, on peut faire ça, ok. Monte sur le toit tout en haut. Non! Pourquoi? Y'a quoi? Si c'est un coffre avec 5 flèches, non. Si c'est un truc important, oui. Oh la vache. Bat Boko, saisi d'une inspiration subite. Un Boko Blin a grossièrement façonné Gourdin qui, s'il frappe le bon endroit, peut envoyer voler les boucliers de l'adversaire et par un coup. Yes. Un truc bien. Allez, on y va. On y va. On va refaire le chemin. Là, c'est pas extrêmement long non plus. Ah! Encore heureux que j'ai pris de l'endurance en plus. Un ruine du temple du temps. On a déjà combattu un boss quand même, c'est plutôt sympa. J'ai bien aimé la façon dont on l'a combattu en plus. C'était cool. Comment tu veux que je... Spider-Man. D'abord, on va là. Je suis sûr qu'il n'y a rien en fait. Je suis sûr qu'il n'y a rien du tout. Ah, si, un machin là. Ah, je me rappelle plus des noms. Eh, truc. Ah mon dieu, comment on fait? Descendre, non. Examiner. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Merci, un Korogu, évidemment. À la revoyeur. A plus. Qu'elle va plus.
Par où on doit aller, là-bas. Ça valait le coup. C'était un boss, c'était un caillou dans une forêt. C'était un gros rocher dans une forêt. Non. C'est ça le village? Ta-ta-ta-ta. Qu'est-ce que c'est que ça? Royaume d'Hyrule, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une bestiole qui dort. Oh oh. Désolé, je voulais pas. Non, je voulais pas. De Maublin. Trop solide pour être travaillé, ce croc acéré peut toutefois servir d'ingrédient s'il est cuit avec une grenouille. Encore une grenouille. Toujours avec une grenouille. Corne. Cette belle corne. Qu'est-ce que c'est là-bas? Non, c'est là. Cette belle corne ne peut servir d'ingrédient dans vos plats, mais elle est parfaite pour préparer des remèdes. Ah ah. Trop lent, mais c'est cool à utiliser. Ruine de l'étape, d'Hyrule. Bouclier roulier autrefois a priori. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui arrivait sur moi. Autrefois la priorité d'un chevalier. La propriété d'un chevalier, ce vieux bouclier en métal rongé par la rouille, a vu ses qualités défensives érodées par le temps, mais peut encore servir. Merci. Oh! Espadon rouillé abandonné depuis longtemps, cette épée peut encore servir d'arme, mais elle a été fragilisée par la rouille et se brisera après seulement quelques coups. Autant l'utiliser directement. C'est ça.
Vous réveillez pas, vous. Les machines. Verrouillé. Ah! Oh, une hallebarde! Ah, yes! On va éviter de spammer avec des conneries sur le chat, merci. C'est parti. Sympa, toi. Hein? Merde. Renard, à moi. Il y a tellement de trucs à chasser. Il y a des bestioles de partout, c'est énorme. Oh. Je crois qu'on m'a entendu là-bas. Ah. Qu'est-ce qui tient dans la main, on dirait un marteau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est un balai! C'est un frottoir! Waouh! Balai brosse! Cet outil ménager est bien pratique pour nettoyer le sol. Et l'œuvre d'un artisan en témoigne sa solidité qui a fait le même merde. C'était sérieux?